Hey, salut Loulou, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui au potager du roi à Versailles. Je vous fais découvrir ce lieu magique. Allez, c'est parti. Eh bien, on se retrouve pour visiter ensemble ce lieu magique qui est le potager du roi. Un petit peu d'histoire d'abord. Vous découvrez tout de suite l'arrivée, voilà comment se présente cette première vue, ce splendide potager. Un petit peu d'histoire, hein, puisque le potager avait par première destination de fournir, comme vous le savez, le château de Versailles et donc la cour du roi. Louis XIV, le roi Soleil, souhaite un palais à sa mesure, roi de droit divin, au pouvoir absolu. Il veut éblouir les nations et contraindre une noblesse volontiers frondeuse à l'obéissance. En 1661, après l'insolente magnificence de la fête offerte par son surintendant des finances, Fouquet, à Vaux-le-Vicomte, le roi affirme sa puissance. Il fait emprisonner Fouquet et s'attache les artistes qui avaient réalisé le château. Tous vont œuvrer à sa propre glorification pour réaliser un palais à partir du petit pavillon de chasse qui jadis était celui de son père Louis XIII, et métamorphoser forêts et marécages qui l'entourent en un jardin d'une ampleur inégalée. Sous la direction attentive de Louis XIV, les meilleurs artistes de l'époque vont faire de Versailles la première cour d'Europe, en particulier Levaux pour l'architecture, Le Nôtre pour les jardins, Lebrun pour la sculpture. Connu pour ses compétences dans les domaines de jardins fruitiers et potagers, Jean-Baptiste de la Quintinie est chargé de fournir en fruits et légumes la table du roi à travers la création en 1683 de ce potager. Ce dernier s'étend sur une superficie notable de 9 hectares, divisé en 24 îlots plus un carré central composé en son sens d'une pièce d'eau et de son jet. Jet que vous allez découvrir prochainement. Les prodiges accomplis par la Quintinie lui attirent tout naturellement la reconnaissance de son maître le roi. Le roi Soleil aimait, dit-on, venir se promener au potager. Descendant du château par les 100 marches bordant le parterre de l'orangerie, dont la Quintinie était aussi responsable, il arrivait par la grille du roi, que vous allez voir quand vous allez pouvoir découvrir ce jet. Vous allez voir la grille au fond, pour admirer, qu'on peut admirer toujours aujourd'hui. Il remontait ensuite une allée ponctuée de 16 poiriers de variété robine, avant de découvrir, depuis la terrasse aujourd'hui abaissée en son milieu, le grand carré où s'affairaient une trentaine de garçons jardiniers. Féru de jardinage, Louis XIV apprit même à tailler les arbres fruitiers avec son paysagiste. Louis XIV fit aussi les honneurs de son potager à d'illustres invités, dont les ambassadeurs du Siam ou le doge de Venise, Venise qui à l'époque était une grande république. On notera que des travaux de maçonnerie importants pour la construction de terrasses et de hauts murs furent réalisés par l'architecte Jules Ardan Mansart. Et alors là, on va découvrir les prodiges de la Quintinie, puisqu'il va, il va développer les prémices de ce qui va être. Vous voyez, on découvre ce jet, au fond, cette grille là-bas, dont on parlait un instant. Il va donc développer les prémices un peu de l'agriculture, pas intensive, mais accélérée. Hein, puisqu'il va employer, il va être le premier à faire donc l'emploi de fumier frais en provenance des écuries. En jouant de diverses expositions, utilisant abris de verre et cloches, la Quintinie met au point des techniques élaborées pour obtenir des récoltes à contre-saison. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les fumiers sont choisis en fonction de la nature de la terre, donc fumier de bœuf, fumier de vache ou de cheval, qui ont tous des effets différents, mais sont comme une espèce, dira-t-il, de monnaie qui répare les trésors de la terre. Les résultats extraordinaires obtenus font la renommée du potager de Versailles. Je le cite, « La chaleur, tant dans la terre que dans l'air, ne peut régulièrement venir que des rayons du soleil. J'ose dire, pourtant, que j'étais assez heureux pour l'imiter en petit à l'égard de quelques petits fruits. J'en ai fait mûrir 5 et 6 semaines devant le temps, par exemple des fraises à la fin mars, des précoces et des pois en avril, des figues
en juin des pois qui étaient donc le légume préféré du roi, hein, je tiens à le préciser, qui était tout nouveau hein, sur les tables. Hein. Des asperges et des laitues paumées en décembre, janvier, etc. Donc il citera cette phrase dans son instruction pour les jardins fruitiers et potagers en 1690. Il parvient aussi à avoir des cerises en mai, des concombres début avril. Cette technique rend Lacquintini célèbre et toute sa vie il poursuivra ses expériences car un bon jardinier doit avoir la passion pour les nouveautés. Lacquintini qui à la base est un juriste qui aura fait ses études de droit et qui n'aura strictement rien par la formation d'un potagiste. Alors qu'est-ce qui est devenu le potager, hein, ce magnifique potager aujourd'hui, hein, alors dans le fil du temps jusqu'à aujourd'hui, donc depuis que le célèbre roi est mort, hein, donc bien sûr Louis XIV va laisser place à Louis XV, puis Louis XVI, et les deux monarques suivront, utiliseront donc l'utilisation de ce potager pour nourrir la table royale. Mais c'est en 1873 que va naître, à travers l'École nationale d'horticulture, que va être confiée alors la responsabilité du jardin. Aujourd'hui, sa conservation, sa gestion et sa valorisation relèvent de l'École nationale supérieure de paysage, l'ENSP, qui est la plus grande école de paysage, établissement public sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous pouvez à ce titre venir acquérir à la boutique du potager des légumes, des fruits fraîchement récoltés. De plus, pour en terminer avec l'historique, le potager a été classé monument historique par arrêté du 15 mars 1926. Donc là, on va faire un petit peu plus d'intimité sur le plan. Donc là, on est quasiment sur la fin de la visite. Vous voyez là des tomates qui sont, on va le voir pour plus tard, assez en avance avec des variétés anciennes, hein, pour les trois quarts de nos végétaux ici présents. Là, des tomates, on va découvrir voilà un début déjà de fructification. Et puis par la suite des chou-raves là, hein, on voit un champ, une planche complète de chou-raves, puis de betteraves ici sur la droite. Alors la boutique abrite donc les végétaux qui sont fraîchement récoltés. Vous pourrez y trouver également alors là c'est de l'ail éléphant, hein. Vous pourrez y trouver également des livres, mais aussi des babioles habituelles, hein, porte-clés, crayons, chapeaux. Voilà, alors variété Black Beauty, hein, si je dis pas de bêtises sur cette variété de courgettes. Donc dessert, hein, serre vert, hein, qui... abrite, on va le voir de manière très avancée, des jeunes pieds de tomates. Hein. Là devant de la valérienne, très très belle d'ailleurs, bien exposée. Alors. Voilà, donc des tomates, je le disais, avancées, puisque regardez les fruits qui sont très beaux. Voilà les loulous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée.